think you should. Hey, salut tout le monde, c'est Alexon 61, j'espère que vous avez comme ça, nickel. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc pour vous dire que vous êtes des ouf, voilà. Donc je vous remercie d'être venu sur mon live hier. Donc on était, à un moment on était plus de 30 personnes. Et j'ai 700 vues sur mon live, j'ai vu. Parce que là ici il me upload, j'ai 700 vues, je sais pas si vous vous rendez compte. 700 personnes qui sont venues sur mon live. Et plein, j'ai eu plein de commentaires. Donc j'avais donc en fait au début, c'était un live pour tester les modes menus avec Bradshaw, puis j'ai dit ceux qui veulent rejoindre, s'il y a 2-3 personnes qui veulent rejoindre, n'hésitez pas, je vous donne les menus, on teste. Et à un moment, t'es plus de 18 dans la game. Et je peux plus accepter de demander d'amis, j'ai trop d'amis maintenant, j'ai accepté tout le monde. Donc regardez tous les messages, XP, il y en a plein, j'ai répondu, donc j'essaie de répondre à tout le monde à peu près, mais... Regardez tous les messages. Et le chat hier, j'arrivais pas à le lire, il y avait trop de monde. Donc Bradshaw, merci d'être venu avec moi aussi. Voilà, donc c'était lui, j'avais mis Modo et il essayait de lire les commentaires, mais c'est pareil, il y avait trop de personnes. Regardez, je vais accepter une personne. Ah non, ça marche. Regardez, au bout d'un moment, ça va mettre... Voilà. Ah non, j'en ai mis celui-là. Passe les modes. Voilà, donc j'ai passé le menu à tout le monde, mais il y en a plein qui m'ont fait freeze et m'appeler à déconner hier. Quand j'ai accepté quelqu'un, quand j'étais en train de jouer, je pouvais pas regarder. Ah non, bah ça va mettre que je peux plus accepter personne. Ah si, ça marche. Donc les gars, donc je vous ai dit hier que j'allais accepter tout le monde, donc j'accepte tout le monde. Tu vas m'ajouter. Demande d'amis. Voilà, ah, ça met pas comme tout à l'heure. Vous êtes vraiment des oufs. Merci vraiment les gars d'être venus sur mon live hier et d'avoir joué avec moi. Donc là, je vais jouer avec tous ceux qui... Regardez. Tout ce monde là que j'ai pas accepté encore. Trop de messages. Donc là, je vais lancer BO2 et je vais aller jouer avec tout le monde. Avec tout le monde, regardez. BO2. Regardez tous les gens que j'ai. J'ai trop de monde. Donc les gars, je vais sortir ma petite vidéo tout à l'heure, comment installer des modes menus. Donc pour avoir cette application là, au pire je vais faire voir comment avoir cette application là. Donc je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé dans le live hier comment tu faisais pour avoir un mode menu. Donc bah je lui ai expliqué déjà que j'avais une PS3 jailbreak déjà. Et je vais vous faire voir comment installer ça sur votre PS3 jailbreak. Tex. Donc voilà, donc là on est tous les modes menus, donc Avanced Warfare, BO1 Multi, BO1 Zombie, j'ai testé BO1 Zombie, c'est vraiment pas mal, BO2 Multi, donc voilà, donc ça c'est le mode menu que j'avais hier, et celui-là, bah, j'ai tout testé. Et j'ai l'anti-fed aussi, mais Black Ops 3, Ghost, GTA 5, regardez, mode menu, LTS, Cracked, c'était le mode menu avec Pro MX, je l'ai mis sur GTA pour l'instant, donc je vais faire une petite présentation, après, voilà. Tout simple, et je vais vous faire voir comment installer ça sur votre play. C'est très très simple. Donc hier j'arrêtais pas de freeze et je pouvais pas accepter des demandes d'amis tellement que j'avais trop de notifications, c'était plus possible. Donc après on a mode menu anti-fed, voilà celui-là que j'ai mis aussi à un moment. Voilà, donc les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et moi, je vous dis ciao.